Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur ce Let's Play Délire sur Winnie l'ourson à la recherche des souvenirs oubliés. J'espère que vous allez bien. Alors, on est aujourd'hui le 1er janvier, et donc le 1er janvier, on vous souhaite quoi? Une bonne année! Bonne année, bonne année à tout le monde, tous mes abonnés, tout. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et de bonnes fêtes. Un bon Noël aussi, hein, qui plus est. Et non, je ne mets pas le let's play d'Halo, de tout ce qu'on a fait pour l'instant de côté. Mais c'est un petit pari que je me suis fait de faire un let's play découverte sur ce jeu qui, je l'espère, va être énorme ou pas, j'en sais rien du tout. Ça va être un let's play découverte. Et faut avouer que bah, c'est parti d'un gros délire avec Kizale. Et Kizale, je te dédie ce premier épisode. J'espère qu'on va retrouver ton ami de toujours. Le porteur de la Keyblade, le maître même de la Keyblade, j'ai bien nommé Winnie l'ourson. Bon, je reviens vite fait avec Halo. Halo était un projet que je faisais sur un an. Normalement, Halo 5 a été confirmé pour novembre ou décembre de cette année. On a encore 4 jeux à faire, hein. J'avais bien avancé dans mon let's play d'Halo 2. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais vous inquiétez pas. En parallèle de ce Winnie l'ourson, il y aura bien sûr le gros let's play, la chose la plus merveilleuse. Et bien sûr, Halo 3. Mais il faudra patienter quelques petits jours. Allez, on va commencer et voir ce que ça donne surtout. Un jour, dans la forêt des rêves bleus, Winnie l'ourson se promenait tranquillement avec son ami Jean-Christophe. Oh la barbe, j'ai encore l'estomac qui gargouille. Tu es trop gourmand, Winnie. Tu devrais essayer de penser à autre chose qu'à ton estomac. C'est une très bonne idée, Jean-Christophe. Mais je me demande à quoi je pourrais bien penser. Eh bien, tu pourrais te remémorer des souvenirs heureux. Oh, mais oui. Allez, pense, pense, pense. Je crois que mes meilleurs souvenirs sont ceux que j'ai passés avec mes amis, comme les fêtes d'anniversaire. Et pour oublier sa faim, Winnie décida de feuilleter les albums d'anniversaire de ses amis pour se remémorer les plus belles fêtes. Bon, bah ça commence bien ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Mais pourquoi j'ai acheté ce jeu? Moi, Winnie l'ourson, comment? Elle se déplace. Remarquez, le jeu, il est quand même bien fait, je trouve. Bon, alors, on a vu une cinématique avec, on va dire, Winnie, et puis... Mais j'ai pas envie d'appeler Jean-Christophe, là. C'est nul, Jean-Christophe, là. On va l'appeler Daniel, le petit garçon. Je pense que Daniel est un beau prénom et qui va de sens avec le meilleur ami de Winnie. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe dans les revenus. Ici, tu peux reprendre l'aventure où tu l'as quitté la dernière fois. Waouh, c'est formidable. C'est notre ami la taupe. Si tu veux commencer une nouvelle aventure, va le voir. Ok, alors c'est parti. Oui, allez. Eh ben, on va s'appeler comment? Allez, vas-y, on va s'appeler Kizai. Allez, là je l'ai sélectionné. Voilà, ah, faut aller sur la flèche verte. Waouh. Sauvegarder la partie, oui. Waouh, c'est en train de sauvegarder, mais c'est génial. Ok, merci. Mais mon Dieu, mais regardez-moi les temps de chargement. On dirait un temps qui se déplace en côté de bruit. Boum, 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 boum. Alors, on va aller voir nos amis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On dirait que Tigrou, Petit Gourou et Porcinet ont envie de s'amuser avec toi. Ah, mais moi j'ai pas envie de m'amuser avec eux. Bon, c'est quoi des mini-jeux à On dirait plusieurs? que Tigrou, Bon, Petit Gourou tais-toi! et Porcinet ont envie de s'amuser avec toi. C'est quoi ça? C'est ici que tu pourras modifier les réglages du Ouais, jeu. bon, ça on s'en fiche. C'est quoi ça? L'album photo te permet de te remémorer les meilleurs moments de ton aventure. Ok, et ça? Le terrain de jeu idéal
pour les petits aventuriers. D'accord. Bon, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, mais regardez-moi la dégaine de Winnie l'ourson, sans blaguer. Regardez-moi ça. Salle de concert de Winnie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Remarquez, on retrouve le thème, hein, le main theme de Winnie l'ourson, qui est ma foi énorme. L'album photo te permet de te remémorer les meilleurs moments de ton aventure. Très bien, allez. C'est quoi tout ça, mon dieu? Ok, bon. Ah, ok. Ça doit être, à mon avis, les différents chapitres qu'on doit avoir, non? Je sais pas. Pour oublier sa faim, Winnie l'ourson se souvient de la fête d'anniversaire d'un de ses amis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Porcinet. Je vais voir s'il a besoin d'aide pour préparer sa fête. Salut, Winnie. Tu peux pas entrer chez Porcinet comme ça. Tu sais, tu dois d'abord ouvrir le portillon. À ta place, j'utiliserai la clé qui est sur la souche d'arbre. Pour ramasser des objets, appuie sur X. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Si je vais sauvegarder la partie, ouais, bon, pour l'instant on n'a rien fait. Toi, tu ne dis rien. Ok, bon. Et franchement, tant que Winnie est particulièrement bien fait, regarde qu'ils aient fait. Coucou! Coucou Winnie! Ah oui, c'est vrai, faut faire comme ça. Oh! Parfait! Avec cette clé, tu vas pouvoir ouvrir le portillon. Pour utiliser un objet, appuie sur rond. Ok. Waouh. À mon avis, cette clé en fer permet d'ouvrir un portillon. Mais tu nous l'as déjà dit, espèce de gogol. Bon, c'est quoi les touches? Ah, parce que regardez, il court plus vite comme ça avec carré. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il peut taper des coups de pied, des coups de ventre, là. Mais qu'est-ce que c'est? À mon avis, cette clé en fer permet d'ouvrir un portillon. Ah là là. Et il est où le portillon de malheur, là? Ah, il doit être là. Coucou, Winnie. Non, mais regardez-moi ça. Et si on va ouvrir là-bas, ça fait quoi? À mon avis, cette clé en fer permet d'ouvrir un portillon. Ok. Bon, ouais, c'est un jeu pour les enfants, hein. Allez. Formidable! Maintenant, dépêche-toi d'aller voir Porcinet. La dernière fois que je l'ai vu, il semblait plutôt inquiet. Mon Dieu, m'en dirait un dessin animé à la Teletubbies ou Dora l'exploratrice. Pour savoir où tu te trouves sur la carte, appuyez sur croix ou touche select. Ok. Bon, bah, allez voir par là. Super temps de chargement, encore une fois, avec Winnie qui court. Ça fait quoi, ça? Wow. Tiens, bonjour Winnie. Tu vas passer chez Porcinet aujourd'hui? Oh oui, c'est son anniversaire et je me suis dit que c'était le jour idéal pour lui rendre une petite visite. Oh, il sera très content de te voir. Mais surtout, sois prudent. Il manque une planche au pont qui mène à sa maison. Il faudrait la remplacer. Non mais le jeu est tellement mal fait qu'il y a des bugs, quoi. Bon, tu fais quoi, toi? Je crois que j'ai vu une planche près d'ici, de l'autre côté du ruisseau. Il faudrait trouver un moyen de l'attraper. D'accord. Et tu nous redis la même chose? Je crois. Oui, bon, c'est bon. Tais-toi. Mais non, mais tais-toi. Il faudrait trouver un moyen de l'attraper. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce cauchemar? Bon, alors a priori, les objets on peut interagir, c'est ceux qui sont avec des petits pointillés, c'est ça? Mon dieu, mais c'est quoi ça? Ah. Je vois des trucs en surbrillance, c'est les poignées là ou je sais pas quoi.
Ouais, bah c'est ça, a priori. Par mes moustaches, le chemin est bloqué. Si tu veux passer, il faut que tu pousses cette caisse hors du passage. Pour pousser des objets, utilise croix. D'accord. Bon, de toute façon, je suppose que la planche là, on va pas pouvoir y aller. Pause, pause, pause. Oh, c'est ça. Je pourrais peut-être construire un pont pour atteindre cette planche. Mais c'est trop bien, Winnie. Non mais mon Dieu, qu'est-ce que t'es gogole. Pense, pense, pense. Bon, allez. D'accord, ah, parce qu'il faut... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Mais... Pousse-la, la caisse, d'accord. Formidable. Maintenant, on peut passer. Un effet lent passerait. Un effet lent, c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Allez, le temps de chargement, là, dépêche-toi. Allez, on va voir la suite de Winnie. Qu'est-ce que c'est qu'encore? Bon, alors, il faut aller chercher la planche ou je sais pas quoi, là, avec un pont. Mon Dieu. Et attention, Winnie, ton estomac fait tellement de bruit que les effets t'ont repéré. Ils ne te lâcheront plus maintenant. Oh la barbe, est-ce que tu sais comment faire fuir les effets? Et comment? Je suis un spécialiste. Il suffit de faire éclater un ballon. Ils auront peur et s'enfuiront. Trouve le ballon et fais-le éclater en appuyant sur croix. Attention, il ne faut pas que les effets lents et les nouilles te touchent. Ok. Bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu crois que si on prend un ballon... Oh mon Dieu! Hein? Mon Dieu, mais c'est quoi ce jeu? Tu crois que si on prend un ballon, on pourra aller chercher du miel? Il va falloir recommencer. Tu dois faire éclater le ballon, tu sais. Mais appelle-moi, Google. Ok, avance. Allez, mais non, on se retape pas la cinématique. C'est quoi ça? Mon Dieu. Mais... Cours, stupide ourson merde, là! Mon Dieu! Mais ça se contrôle trop mal! Mais prends-le! Ah, voilà! Mon Dieu. Parfait! Absolument parfait! Mais merci! Tu peux te promener sans crainte. Et n'oublie pas, si tu vois d'autres effets lents, trouve un ballon et fais-le éclater! D'accord. Ah maintenant on va se retaper en temps de changement, mais c'est quoi ce jeu? Mon Dieu! Bon, alors là-bas il y a un truc à faire, là sans surbrillance. Allez, tape! Voilà. À chaque fois il y en a 5 a priori, hein, c'est ça? Le cours. Là, en surbrillance aussi, regardez. Parfait. Hop! On va chercher les pots de miel. Parce que Winnie il aime le miel. Là aussi. Ah, une note de musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, va la chercher. Trouve les autres notes cachées dans ce niveau pour débloquer un morceau de musique dans la salle de concert de Winnie. Ah, c'est le truc qu'on avait vu, vous savez, en bas à gauche. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est juste les trucs en surbrillance, mais faut pas louper, quoi. Bon, ici, ça a l'air bon. Là, ça a l'air bon aussi. Là, il n'y a rien à faire ici. Oh. Oh la barre. Mais je ne peux pas le traverser ce pont, bien sûr, car il y manque une planche. Oh, mais t'es tellement con que t'aurais juste à sauter et tu pourrais le traverser, le pont. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, il n'y a rien ici. Là. Non.
Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. Ça a l'air d'être les éléments sur brillance, a priori, où il y a du miel, non? Là, regardez. Oh là là, encore une cinématique. Les abeilles t'empêchent de passer? Tu as bien fait de venir me voir. Je sais exactement comment les éloigner. Il suffit de leur apporter le nombre de pots de miel qu'elles réclament et l'affaire sera dans le sac. Des pots de miel? Saurais-tu par hasard où je pourrais en trouver des pots de miel? Bien sûr! Il y en a partout! Regarde autour de toi. Je suis sûr que tu vas en trouver. Secoue les objets scintillants avec croix pour trouver des pots de miel. Waouh! Et mais sans blaguer, on dirait, des triseaux qui sont en train de parler, quoi. C'est un truc hallucinant. Allez, reprends tes pots de miel, là. Satané ourson, de malheur. Ok, allez, va le chercher. D'accord, ça veut dire quoi, ça? Bah, j'en sais rien, tellement que le jeu est bien fait. On va aller voir. D'accord. Et ça sert à quoi de faire ça? Magnifique! Tu as fait fuir toutes les abeilles. Waouh! Si elles t'embêtent encore, apporte-leur des pots de miel. Et pourtant, c'est pour Winnie les pots de miel, non? Bon, je suppose qu'il va falloir faire ça. Eh, pousse! Ouais, mais regardez l'animation, comment c'est trop bien fait quand il pousse! Mais pousse, Athénée ourson! Allez! Mais c'est quoi ça? Pousse! Bon, alors je suppose que ça doit débloquer la caisse. On va regarder la carte. D'accord, donc là je suis là. Là. Ah, ça doit trouver tous les pots de miel de la zone, je suppose. Certainement. Ok. Ok, bon, de toute façon, le seul truc c'est qu'il faut aller par là. Allez, on est parti, on va chercher les pots de miel. Mon dieu. Mais qu'est-ce que j'avais dit? T'es trop fort, Popo, t'es trop fort. Bon alors. Observons les éléments sur brillance. Bah non, j'ai pas tout fait là. Ah, regardez là. Ah, en reste un. Logiquement, il y a encore un dernier objet en surbrillance. Mais où est-il? Ah, il faut quand même rechercher, hein. Il faut quand même rechercher. Bon. Il est où? Eh, franchement, il est où cet objet en surbrillance là? Wow. Mon dieu, mais regardez Winnie en plus. Je suis sûr en plus que ça sert à rien de faire ça. Aïe aïe. Bon, on va aller chercher ce qu'il en est là. D'accord. Que cette planche vient d'un pont que j'ai déjà vu. Non mais qu'est-ce que t'es débile, Winnie? Ok, une note de musique. Ouais, prends-la. D'accord, bon ça, on l'a déjà vu. Alors voyons voir ici, qu'est-ce qu'il nous reste à récolter? Qu'on a deux notes de musique sur trois. Ok. Allez, voyons voir. Il reste forcément un truc de pot de miel. Il est où? C'est où les trucs de pot de miel? Je croyais que c'était là, dans la roche qui était là. Non. Là, je reviens sur le premier. Alors, voyons voir. Je vais quand même pas tous les faire. Je les ai trouvés facilement, les autres. Alors, où c'est? Dis-nous, Winnie, où c'est? Mon dieu.
Bon, on va quand même retourner au début parce que je trouvais les pots de miel. Voyons voir. Regardez-moi ça, tant que Winnie est de retour. On va aller voir. Où sont les pots de miel? Voilà, oh là 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 là. Allez. Là, on avait dit que c'était pour sauvegarder la partie. Il n'y a pas de pot de miel, là? C'est quoi, ça? Ah si, regardez. Boum. Allez. Prends-les, Winnie. Sale ourson merde, là. Allez. Oh, mais non. Qu'on en a 20, après. Là. On les trouve facilement pourtant les pots de miel. C'est ça qui m'inquiète. 4. Il en reste un encore. Allez. Voilà. Le pot de miel. Il doit rester un dernier objet, non? Où est-ce qu'il va être? Ah, j'ai tout pris, ok. Peut-être caché. Ah non, c'est juste là, regardez. Ah, regardez, c'est juste là. Wow. Et on a tous les pots de miel. Et Winnie, il est content. Et on va aller voir tous nos amis. Tigrou, Porcinet, Tigarou, Maman Garou, Bourriquet, etc., etc. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va sauvegarder. Sauvegarde en cours. Ne retirez pas la carte mémoire pour PlayStation 2. Voilà. Bon allez, j'espère que ce premier épisode sur Winnie l'ourson à la recherche des souvenirs oubliés vous aura bien fait délirer. Un maximum de pouces verts pour m'encourager à faire la suite et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!